Notre Dieu est content aujourd'hui. Amen. Il a eu l'adoration. Amen. Il a eu la louange. Amen. Bien aimé, maintenant, il veut nous parler. Amen. Tu étais venu vite, mais il faut que tu rentres encore avec quelque chose. Amen. Parce que quand il te fait venir, c'est pour te nourrir. Amen. Tu as besoin de l'alimentation. Amen. La Bible nous dit que l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortiront de sa bouche. Mais avant d'appeler la personne qui va nous apporter la parole de Dieu, je vais d'abord appeler notre maman, femme, servante de Dieu, maman Clémentine. Quand elle s'avance, nous allons acclamer. Jésus est sorti du tombeau. Mais je vais te dire quelque chose. Jésus est sorti du tombeau, pas main vide. Jésus est sorti du tombeau avec quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Bien aimé, il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Mais pour que tout est accompli, la puisse devenir réel, il fallait qu'il passe dans les tombeaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est roi. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il t'a libéré. Il t'a restauré. Il t'a donné la vie. Il t'a racheté. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas moi qui ai à l'arche ce matin. C'est une personne que Jésus a déplacée de loin. Que Jésus a pris de loin. Et cette personne, Jésus a fait d'elle une femme victorieuse. Jésus a fait d'elle une mère de multitude du futur. Jésus a fait d'elle une servante. Jésus a fait d'elle une force. C'est pour cela que nous allons nous préparer. On va accueillir notre maman, la servante de Dieu, pendant qu'elle s'avance. Maman, bonheur, pendant qu'elle s'avance, on va acclamer la parole.